أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واقعا الآن j'étais en train de regarder quelques exemples de planning de mes chefs élèves, on peut dire, je ne sais pas, mais je vois que, mashallah, c'est très intéressant, c'est très bien. Il y a des choses qui sont de détails, tout ce qu'il faut, il y a des choses qui sont, il n'y a pas d'informations suffisantes. Je vois que Inch'Allah, c'est un bon début. Inch'Allah, que vous ajoutez, et vous pouvez, par exemple, aussi corriger ou changer. On va travailler, par exemple, je prends un exemple. Celui-là, par exemple. Ça, c'est à 8h, il a dit qu'à 8h30, il part à l'école. Et à 3h30, il revient. J'aimerais bien savoir avant le 8h30 qu'est-ce qu'il fait. Et aussi, quand il revient à 3h30, il a dit qu'il voit, qu'il regarde la télé de 3h30 jusqu'à 4h. C'est-à-dire une demi-heure de télé. Ça, c'est bien. C'est acceptable et c'est très raisonnable. Et après, de 4h à 5h, le dîner. C'est bien aussi, j'ai vu qu'il y a deux personnes qui ont dit la même chose. Ça veut dire, le dîner, c'est à peu près, ça prend 1h. C'est bien de ne pas manger vite. Parce que, même pour la santé, et même dans les récitations de Ahlul Bayt, alayhimus salam, il ne faut pas manger vite. Parce qu'il y a des gens qui mangent debout très vite, en 5 minutes, ça c'est pas bien pour la santé. Il faut manger très doucement et il faut bien, comment dire, il y a un énorme domaine à quel. Organise. Comment? Mâcher. Mâcher, on dit? Exactement, mâcher. Il faut bien mâcher le manger et le dîner ou la. Déjeuner. Mais 1h, je pense, c'est un petit peu beaucoup. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on mange 1h. Ça, il faut vraiment faire une vraie organisation de temps. Je sais que vous ne mangez pas 1h. Vous avez mis à peu près et vous n'avez pas pensé que combien ça prend de temps pour votre manger. N'est-ce pas? C'est qu'il a écrit ça, je sais que lui, il ne va pas manger pendant 1h, mais il a mis à peu près. Mais par exemple, il faut une fois en moins, vous mettez le planning, vous voyez vraiment ce combien que vous mangez facilement. Vous voyez, ce n'est pas plus qu'une demi-heure, par exemple. Je pense, moi personnellement, si on mange sans parler beaucoup, sans regarder la télé en même temps, parce que tout ça, ce n'est pas bien pour la santé, il faut concentrer quand on mange. La nourriture, c'est pas seulement, on pense qu'il y a quelque chose qu'on avale et qu'il vient dans notre estomac et c'est bon, ça suffit. Non, c'est mieux de ne pas parler. Si on parle pendant la nourriture, le manger, c'est très mauvais pour la santé. Et c'est pour ça qu'on a des riwayats qui nous interdisent de parler. Et même si on parle, il faut qu'on répète le bismillah, ça vous connaissez. Et on dit, au lieu de dire bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on dit bismillah ar-Rahman ar-Rahim min awwalihi ila akhirihi. Parce qu'on a coupé le manger. Et ça nous montre que la nourriture, c'est important. Comment on mange et comment il faut vraiment concentrer, il ne faut pas parler, il ne faut pas faire un débat où, c'est-à-dire, des fois, on fait discute avec notre frère en mangeant. Ça, on est énervé, on mange,
ça sera très dangereux pour notre santé. Peut-être on ne voit pas ça maintenant, mais avec le temps, ça se voit. Bon, ça veut dire, la première chose pour le dîner ou pour le repas, n'importe quel repas, il faut vraiment voir c'est combien. Une demi-heure, on s'assoit, on mange, et quand il est fini, après on part à autre chose. Et surtout pas la télé. Surtout pas la télé. On ne regarde pas la télé pendant le repas. Ça, c'est très important. Si on dit, par exemple, une demi-heure, il a dit 4 heures jusqu'à 5 heures. Moi, je propose 4 heures jusqu'à 4 heures et demie le dîner. Et après 4 heures et demie jusqu'à 5 heures, il a dit après 5 heures jusqu'à 5 heures 10, la prière. Ça, c'est bien. C'est le temps suffisant. Mais si on ajoute 5 minutes, c'est pas mal. Si on ajoute 5 minutes, un quart d'heure pour la prière, parce qu'on a la prière de Maghrib et la prière de Aïcha. 3 minutes, 4 minutes pour chacun, c'est-à-dire à peu près 8-10 minutes. Et entre les deux prières, il y a aussi Tasbihat al-Zahra. Elles sont très très importantes, la Tasbihat al-Zahra. L'imam Sadr alayhi salam, il dit que Tasbihat al-Zahra, pour moi, c'est meilleur de faire beaucoup de prières. Moi, je ne me rappelle pas exactement maintenant le chiffre, mais beaucoup de prières. Ça veut dire que c'est aussi important de Tasbihat al-Zahra qu'il faut être juste après la prière. Ça, c'est très important. On fait au moins, si on ne fait pas d'autres taqibat, si on ne fait pas d'autres do'as, le taqibat, salawat, mais c'est mieux si on peut ajouter aussi taqibat, salawat. Ils sont très petits. Par exemple, et c'est très court, excusez-moi, le taqib, salat al-maghrib, très court. La ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbil arshil karim, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma inni as'aluka mujibat rahmatik wa azaim maghfiratik wa najata min an-nar wa min kulli baliyah wa al-fawza bil jannah wa ridwana fi dar as-salam wa jiwar nabiyyika Muhammadin alayhi wa alihi as-salam. Allahumma ma bina min ni'matin fa mink, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Une minute peut-être, n'est-ce pas? J'ai parlé il y a quelques jours de Iblis, de Shaytan. Et ce soir, mon parole, c'est le dernier verset de Sourat al-Asr. On a parlé de Sourat al-Asr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Tout le monde est en perte, sauf illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bil sabr. Wa tawasaw bil sabr, la patience. Il faut qu'on ait la patience. Sans la patience, on ne peut pas avoir la réussite. Il faut avoir la patience dans notre vie. La patience, il y a trois genres de patience. La première, c'est la patience à la ta'a, la patience dans les adorations. Le deuxième, la patience de al-ma'siyah, ça veut dire d'avoir la patience devant les interdits, devant les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, devant le haram. Il faut qu'on ait la patience aussi. Ça, il a besoin de patience. Et aussi dans le bala, dans les soucis, dans le problème, il ne faut pas dire, oh Allah, pourquoi tu fais ça avec moi? Ça, ce n'est pas le mu'min. Mais il ne fait pas ça, il ne fait pas le jaza de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a écrit. C'est-à-dire la patience est très importante. Dans la patience de l'ibadah, Iblis, il va venir vers vous, il va dire, oh là là, vous allez faire le taqibat, vous allez faire ça, et tel dua, et tel dua. Et tout le dua de taqib, par exemple, maintenant on a donné l'exemple de taqib, une minute, pas plus. Tasbihat al-Zahra, une minute aussi. Pour chaque prière, on a deux minutes et demie. Ça veut dire en général 5 minutes pour les deux prières.
mais on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il va nous aider dans notre travail, dans notre étude, dans toutes les choses. Il va nous aider. 5 minutes ici, 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, tout ensemble, un quart d'heure. Mais c'est important. Et avec le temps, on va apprendre par cœur, Inch'Allah, le taqribat. Peut-être, maintenant, vous n'allez pas avoir, ça veut dire, vous n'allez pas lire de votre cœur. Vous allez avoir un petit dua, cahier de dua. Vous pouvez écrire vous-même, ou peut-être ils vont vous chercher des petits livres de dua, qu'il y a le taqribat, il y a des petites sourates, il y a des choses comme ça. Vous connaissez, il y a des livres, je ne sais pas si ici ça se trouve, mais on peut trouver ce genre de dua qui sont très petits, on peut avoir dans les poches pour faire le taqribat, pour qu'on soit proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, ici c'est bien, mais on ajoute seulement 5 minutes, un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, c'est bien. Après le 10 minutes, un quart d'heure, on a le devoir et l'étude. Ça c'est par exemple 1 heure ici, c'est bien, c'est intéressant, 1 heure de devoir. Après il a dit par exemple à 6 heures il est fini, de 6 heures jusqu'à 7 heures, ça, la télévision ou d'autres. C'est-à-dire on voit qu'il y a une demi-heure là-bas et 1 heure ici, la télévision ou d'autres. Moi personnellement je préfère l'autre, je ne sais pas c'est quoi l'autre. Mais je préfère l'autre, comme on a déjà parlé de ça. Après, on voit qu'il a parlé de 7h jusqu'à 11h, c'est la mosquée. Alhamdulillah, je suis très content parce que cette personne-là, je ne sais pas c'est qui, mais il vient chaque soirée ici à la mosquée pour Muharram. Ça, c'est très intéressant. Et Allah l'aime. Allah, subhanahu wa ta'ala, va lui aider. Les gens qui viennent pour l'imam Hussein, vous que vous venez pour l'imam Hussein, alayhi salam, Allah va écrire ça dans notre cahier d'a'mal, cahier des actions. Et l'imam Hussein, le jour qu'on est décédé, Inch'Allah qu'Allah vous donne une longue vie, mais le jour qu'on est décédé, on prend dans notre main, oh ya Allah, moi, chaque soirée je suis venu pour le fils de votre prophète. Pour le quelqu'un que vous aimez et tu aimes et que tu m'as demandé de lui aimer. Moi, je lui ai aimé et c'est pour ça que je suis venu chaque fois pour crier pour lui, pour pleurer pour lui et pour faire même l'atmiya pour lui. Tout ça, je fais pour l'imam Hussein, les chers de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est très important. Je suis vraiment content de ça. Il a dit que de 7h jusqu'à 11h. Et ça, ça prend beaucoup de temps maintenant. Alhamdulillah, il vient, il donne son temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour Ahlul Bayt, cet élève-là. Mais je voudrais parler, et après 11h, dormir. C'est bien, 11h, dormir, mais même si c'est un petit peu tard, maintenant, vous êtes excusé, vous avez l'excuse, c'est normal, vous êtes dans le programme. Mais après le 10 jours ou le 15 jours de Muharram, qu'est-ce qu'on fait? Ça aussi, c'est important. Ça, c'est pour maintenant. Qu'est-ce que vous faites maintenant? C'est déjà, c'est très important pour le début, pour un commence. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, de 7h jusqu'à 11h. Moi, je pense, personnellement, c'est mieux qu'on dort très tôt. Parce que même le dormir, c'est très important pour le cerveau, pour le badan, pour le jism. Chaque personne et chaque enfant, il a besoin des heures pour dormir et de dormir tôt. Moi, je pense que tout le monde a le même, c'est-à-dire que vous avez ce programme-là, parce que ici il y a de l'école et il y a tout ça. Mais ça, c'est important, c'est-à-dire, je sais que vous appliquez ça, mais ça, c'est très important, j'insiste sur ça. Il ne faut pas dormir tard, parce que si on dort par exemple à 8 heures, surtout maintenant, en été c'est difficile peut-être parce que il y a, surtout pour vous, il y a la prière. Je ne sais pas ici la prière, ça termine à quelle heure? 9 heures. C'est-à-dire
En été, vous dormez 9h30. Ça, c'est bien. Vous faites la prière et tout de suite, vous dormez. Ça, c'est obligatoire. Mais maintenant, 8h, 8h30, maximum 9h, vous soyez dans la nuit. Ça, c'est très important. Et après, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire, ici, on a de 7h jusqu'à 8h, 8h30. J'ai vu, il y a quelqu'un d'autre qui l'a dit que moi, j'ai lu le Coran à 9h. Ça, c'est très important aussi. Qu'il lit le Coran avant de dormir. Vraiment, je suis content de voir ça. Il lit le Coran à 9h, mais il peut lire seulement 10 minutes, un quart d'heure. Moi, je lui conseille de ne pas lire beaucoup la soirée. S'il veut lire, c'est mieux de dormir à 9h ou à 8h30. Et le matin, il se lève pour Salat al-Subh. Et à peu près, par exemple, même s'il se lève à 6h, s'il n'est pas dans le, par exemple, à l'heure de Salat al-Fajr, ça dépend. Si vous pouvez à l'heure, c'est mieux. Mais par exemple, à 6h, même 30 maximum, avant que la samahallah, notre prière soit qadha. Maintenant, je pense qadha, c'est à 7h et quelques minutes. 7h10, 7h15. Par exemple, si vous êtes, il faut que vous soyez, vous vous élevez à 6h30. Vous lisez le Coran, vous faites la prière, vous lisez un petit peu de Coran. Vous faites par exemple un quart d'heure de Coran, c'est très important. Le Coran, inna Coran al-Fajr kana mashhuda. Le Coran de Fajr, il est plus important que le Coran de soir. C'est bien le Coran de soir, mais c'est mieux, je préfère si vous pouvez avoir cette habitude de s'élever le matin et de lire même un quart d'heure de Coran ou 10 minutes de Coran. Même après, si vous voulez, vous faites des autres choses. Si vous avez encore des devoirs, vous avez d'autres choses, vous pouvez faire. Mais cette heure-ci, c'est plus importante que les soirées. Ça, c'est très important dans votre programme. Bon. La question, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire dans la dernière ayah de Sourate Al-Asr? Wa tawasaw bil haq. Vous voulez dire tawasaw bil haq ou tawasaw bil sabr, la dernière? Tawasaw bil sabr. Est-ce que vous avez écrit tawasaw bil haq? Bon, tawasaw bil sabr, je viens de dire. Tawasaw bil sabr, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que wa tawasaw bil sabr. Ça veut dire on donne le conseil, c'est-à-dire on cède et on se conseille entre nous pour le sabr. On aide. Ça veut dire si je vois que mon frère, il a un souci, je lui dis qu'il faut avoir la patience. Et lui aussi, et moi, il faut qu'on ait la patience. Ça, c'est important. As-sabr, parce que as-sabr miftah al-faraj, wa la man sabara. Ça veut dire que quelqu'un qui veut la réussite, il faut qu'il ait la patience. Sans la patience, on ne peut pas arriver à faire aucune chose. Parce que même dans notre travail, même dans les études, il faut la patience. Il faut le courage, il faut la patience, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas dire « Oh, je ne peux plus ». Non, le mu'min, il est fort, il a la patience. Et la patience, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mu'min, il est très fort. Mais la force, ce n'est pas « man hamala thaqil ». Je ne sais pas si je vous ai parlé de ça. « Laysal qawi man » Qui peut continuer le hadith, compléter le hadith? Ça veut dire la patience devant
le radab, la patience devant le désir, la patience devant toutes les choses. Ça, c'est dans le muharramat. Il faut pas dire, il faut pas s'énerver, par exemple, et dire quelque chose qu'Allah n'aime pas. Surtout, par exemple, avec nos parents. Ça, c'est, je vous parle et je termine avec ça ce soir. Avec nos parents. Alhamdulillah, vous avez le meilleur parent, les meilleurs parents. Et ça, c'est le plus important bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus important bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous a donné. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas des parents comme vous, qu'ils l'ont donné. Allah subhanahu wa ta'ala, ils les ont pas donné, il leur a pas donné des parents qui l'aident pour apprendre la religion, pour connaître Allah, pour connaître la prière, pour connaître tout ça, Ahlul Bayt, pour connaître Ahlul Bayt, alayhi wassalam. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à tout le monde, c'est pas seulement pour les mu'mins, non. Même si vos parents, ils ne sont pas mu'mins, même si vos parents, ils sont kafirs, vous savez, même si vos parents, ils sont kafirs, est-ce qu'on peut être méchant avec nos parents qui sont mécroyants? Vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Non. C'est interdit et même c'est haram. Même si il est kafir, on n'a pas on n'est pas permis pour insulter, pour dire quelque chose qui casse le cœur, qui blesse le cœur de notre père. Ça, c'est interdit. C'est haram. Et c'est le verset coranique qui dit ça. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطَعْهُمَا وَلَكِنْ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ. Ça veut dire, même l'imam Ali alayhi salam, il a dit, trois personnes, on n'a pas de rukhsa. C'est-à-dire, on n'a pas permission de dire que ce sont kafirs. Un, c'est al-wafa bil-ahd wa ada'u al-amanat wa birr al-walidayn. Yani thalatha ashkhas la yufarraq bayna al-kafir wal-salih, bayna al-fajir wa al-mu'min. In kan mu'min, in kan salih, in kan kafir, in kan fasiq, mahma kan al-ab wal-um wal les gens qui vous donnent l'amana, le dépôt, ils vous donnent quelque chose. On ne peut pas dire après que non, c'est lui, il est capable, je ne vais pas rendre l'amana. On ne peut pas dire que j'ai donné en parole, j'ai promis quelqu'un, mais ce n'est pas grave parce que c'est capable, je ne vais pas prendre mes paroles. Ça, c'est interdit et ça, c'est haram. Vous savez? Et la même chose pour les parents. Mais quand les parents, ils sont mu'mines, c'est pire. On n'est même pas permis pour dire off. Wala taqul lahuma offen. Wala tanharuma. C'est-à-dire, c'est interdit. C'est haram. C'est nahi. Wala taqul lahuma offen. C'est haram de dire off. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent. On peut dire, c'est-à-dire, on ne dit pas off, mais on dit par exemple, ouais, je ne veux pas, c'est quoi ça? Allez, par exemple, je donne des exemples. Ça, c'est haram aussi, c'est la même chose. C'est pire aussi. Ça, c'est off, c'est le plus petit, c'est-à-dire de dire. C'est-à-dire ça, quel père, pardon, quel père, quelle mère, ça, c'est haram. Vous voyez, ça, vous faites attention sur. Surtout vous que vous êtes, alhamdoulilah, mu'min, vous êtes sage, vous êtes avec Ahlul Bayt, alayhi salam. Ahlul Bayt ne disent pas ça à leurs parents. Et nous, on applique ça et on apprend ça de nos imams, alayhi salam. Inch'Allah, si vous avez des questions, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Et peut-être ça sera la dernière, non? Oui, oui, c'est ça. C'est la dernière jalassa et réunion ou, comment dire, discours. Si vous avez des questions,
Inch'Allah, posez-moi vos questions. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que vous soyez toujours avec Ahlul Bayt, dans le chemin de Ahlul Bayt, alayhi salatu wa salam, et que vous appliquez les paroles de Ahlul Bayt, alayhi salam, et vous n'oubliez pas le verset, les versets de Surat Al-Asr. Prenez ça de moi, de votre frère, ou Inch'Allah vous considérez comme un grand frère de vous. Prenez ça de moi et appliquez ça, Inch'Allah. Si vous avez des questions, je suis à votre service. On est en presque de 10 minutes. 10 minutes. Allez-y. C'est le dernier jour. J'espère que vous nous posez et vous demandez vos questions, Inch'Allah, ce soir. تفضلت قلت احسن شيء القران وهي صلاه الصبح بس مثلا يعني احنا متعودين يعني ننام متاخر على حتى بالايام العاديه بين عاشوراء ننام الساعه مثلا بال 12 او وراها فما نقدر يعني نقعد الصبح يعني اذا قعدت الصبح للصلاه اقعد اصلي وانام ارجع انام راسا يعني احاول حتى يمكن احاول اخلصها بسرعه سؤال كلش طيب هذا اللي راح اجاوب بالعربي وبعدين باختصار ارد بالفرنسي او فرد مره بالفرنسي مو مشكله بالنسبه لي هذا الموضوع هو بالضبط اللي انا ردت اطرحه يعني قضيه النوم مبكر هو الاساس في حياتنا وهذه مو اقولها لك بس أنا أقولها إليك وأقولها لنفسي وأقولها للجميع ولأولادي هذه تغير مصير حياة الإنسان حقيقة أكو ناس وصلوا إلى ما وصلوا ببركة ما بين الطلوعين ماكو إنسان يوصل من دون ما يكون يحترم هذا الزمن هذا الزمن هو من زمن الجنة يرحمكم الله هذه أوقات السحر هذه أوقات ما بين الطلوعين فيها من البركة فيها الشفاء حتى هواء أنت من تشم هواء ما بين الطلوعين يختلف فيها حالة القرب من الله سبحانه وتعالى بحيث الأهل البيت عليهم السلام أنت شوف بمفاتيح الجنان أنا ما أريد أطول لك وأقرأ لك كل يعني أقول لك الروايات كلها وما أتذكرها كلها بالضبط بس اقدر اقول لك تراجع كتاب مفاتيح الجنان في آداب وفي قضية ما بين الطلوعين وثواب العبادة ما بين الطلوعين موجود في نهاية مفاتيح الجنان اقرأ هذه الفقرة انا مطمئن بعد انت ما راح تنام بين الطلوعين حتى اذا فرضا مرات الواحد الا بحالات جدا خاصة مثلا واحد اتأخر ومضطر بس يحاول يعني ان شاء الله احنا نحاول هنا اول ما يخلص المجلس فرضا بالعشرة ونص بالأحدعش ناكل لقمة نروح بسرعة يعني ما نطول بس هسه هاي ليالي خاصة مو مشكلة ومع ذلك احنا هنا كبرنامج مفروض انه نحاول قدر الامكان نبكر لي ما نخليه متأخر والله يعجبهم الاخوان هيك مسوين يعني قدر الامكان برنامج يعتبر انه مو متأخر جدا فاذا واحد بالعشرة ونص بالأحدعش ينام ممكن بالستة يقعد يعني مو صعبة انه بالستة يقعد سبع ساعات وبعدين يقدر العصر هم ساعة ينام اذا عنده وقت على مدة ساعة هذه بس انه ينام الساعة مثلا وحدة ثنتين ويقوم مثل ما قلت او حتى 12 هسه نقول هالليالي استثناء بس بالايام العادية تجي تنام انت ب 12 وتقعد تصلي بسرعة وبالقوة وهي هذه الصلاة هي صحيح ركعتين بس هاي الصلاة تسوى الصلوات هسه مو نقول شو اسمها بس هذه إلها طعمها هذه الصلاة إذا واحد يصليها وهو وهذه اللي الله سبحانه وتعالى يريدها من الإنسان إنه يقوم لله سبحانه وتعالى يبكر في نومه يستعد لهذه الصلاة هذا يبين اهتمامنا بصلاتنا وخصوصا لما أنت تضيف إلى الصلاة قضية بعض العبادات المستحبة بعض التعقيبات المستحبة أنصار المهدي ما يكونون أنصار المهدي إلا إذا بعد صلاة الصبح يقرون دعاء
العهد، تعرفون دعاء العهد؟ دعاء العهد الإنسان اللي يريد يكون من أنصار الإمام المهدي لازم 40 يوم بين الطلوعين قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس يقرأ دعاء العهد. إذا قرأهم إن شاء الله حتى لو توفى ومات أو صار لأي شيء فالله سبحانه وتعالى يعيده إلى الحياة بعد الموت عند مجيء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في رجعته إن شاء الله. فهذه القضية مهمة. Je veux dire en français, en bref, que la prière, ce qu'il a demandé à notre frère, que des fois on est fatigué. On ne peut pas s'élever ou on se lève pour faire tout de suite la prière et dormir juste après. Ça, ce n'est pas bien. Il faut vraiment dormir tôt pour qu'on arrive à l'importance et on applique ce que Ahlul Bayt nous ont demandé. Et ils nous ont demandé de respecter le temps entre Tulu'ayn, ça veut dire entre le Fajr et le lever de soleil. Ça, c'est très important. D'autres questions? لا هو بالليل هم الليل الواحد إذا يقرأ قرآن زين. يعني ما قلت ما تقرأ قرآن، تقرأ قرآن بالليل. القرآن بالليل حتى قبل النوم لازم بعض الآيات القرآنية اللي من حفظ. أنتوا على التخت. Je veux dire en français directement. Quand vous êtes dans le lit, vous lisez le sourate de قل هو الله أحد trois fois. Et vous faites, c'est comme Ahlul Bayt alayhi salam, le prophète a appris à Fatima alayhi salam de faire trois choses avant de dormir. De lire trois fois qul huwallah, parce que si on le lit trois fois, c'est comme on a lié tout le Coran. Et deuxième chose, on fait le istighfar pour el-mu'mini et el-muslimin. On demande la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour tous les muslimin. Et avec ça, peut-être si on a des péchés vers nos frères, Allah, inshallah, va pardonner. Et la troisième chose, on fait le salam sur, on salue les anbiya, anbiya Allah, ou l'aimma alayhim salam. Ça, c'est les trois choses. Mais aussi, on lit surat al-hamd, on lit surat ayat al-kursi, on lit le mu'awadat, qu'il a'udhu bi rabbin nas, qu'il a'udhu bi rabbin falak, pour qu'il nous protège. Ça, on le lit dans le lit. Et ça va nous aider aussi pour dormir tout de suite. Parce que, Inch'Allah, ça, il va nous aider que le shayatin, il soit loin de nous. Inch'Allah, on dort avec la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour le matin, non. On ouvre le Coran. C'est le bon, c'est le meilleur temps pour ouvrir le Coran, regarder le Coran, lire au moins par exemple 5 pages ou 2-3 pages au moins, ou ça dépend de votre âge bien sûr. Et ça, il faut faire au moins 5 minutes, 10 minutes pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est très important. Il y a des doigts aussi qu'on peut le faire. Vous avez compris? Tu as compris? Non. Dans le programme, par exemple, maintenant, j'ai vu que ils ont mis la prière, par exemple, le temps de prière de Maghreb et Isha, c'était 4 heures. Ah, il a mis 5 heures, oui. Par exemple, ça, c'est mieux aussi, on n'a pas fait attention de ça. 4 heures jusqu'à 5 heures, il a mis le dîner. Non, c'est mieux de mettre, par exemple, 4 heures jusqu'à 4 heures et demie le dîner. Et après 4 heures et demie, c'est à peu près 4 heures et demie, la prière. C'est, par exemple, pour la prière, parce que c'est important. On a déjà parlé l'importance de faire la prière à l'heure. Et je vous ai peut-être parlé de l'histoire de Master Key. Le clé qui marche, qui passe partout.
Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de ça? Dire prière à faire la prière à l'heure, ça c'est la meilleure solution dans notre vie. C'est le meilleur zikr, c'est la meilleure solution pour nous aider dans notre vie, Inch'Allah. Ça, Inch'Allah, vous allez faire. Par exemple, ici, on met 4h30 salat al-Maghrib al-Isha et après le reste du programme. Mais aussi, j'aimerais bien que vous mettez, par exemple, le programme soit un petit peu plus chargé. Si vous n'êtes pas fatigué, mais c'est pas, je veux pas dire que qu'il soit chargé par le prière, par salat, par devoir, par ça. Non, vous laissez un petit peu pour la télévision, un petit peu pour le sport. Je ne sais pas. À l'école, alhamdoulilah, il y a le sport. Je pense qu'il y a le sport. Vous bougez, ça c'est bien déjà. Mais par exemple, de laisser des choses pour d'autres choses. Par exemple, même de par exemple un quart d'heure ou une demi-heure au moins de s'asseoir avec les parents, de dire à mon père, on veut bien être avec toi, avec vous, on veut bien qu'on soit ensemble. Par exemple, on a des questions, on veut bien vous raconter ce qui s'est passé à l'école, à vous raconter des choses. Il faut parler avec vos parents, il ne faut pas être timide avec vos parents. Ils vous aiment, ils peuvent vous aider. Si vous avez des soucis, vous avez des problèmes à l'école, vous dites à vos parents, vous ne cachez pas les choses. Ça, c'est très important. Ils ont l'expérience, ils peuvent vous aider. Vraiment, ça, c'est essentiel dans votre vie, de ne pas cacher les choses et de dire ce qu'il vous arrive, de dire à vos parents, Inch'Allah. Par exemple, vous mettez un quart d'heure chaque jour pour s'asseoir. Peut-être vous avez mis 4 heures jusqu'à 5 heures de dîner pour ça. Si vous avez cette intention, c'était bien. Par exemple, de manger et après, sur la table, après que vous finissez, vous faites vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala pour le dîner, pour le reste, parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas des choses à manger. Il y a des gens qui meurent à cause de faim. Ça, c'est, vous savez peut-être, en Afrique et il y a partout. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné ça. Après, vous dites Alhamdulillah et en même temps, vous dites merci mon père, merci ma mère. Mon père parce qu'il a travaillé pour ramener la nourriture et ma mère parce qu'elle a fait la cuisine par exemple. Et tout ça, c'est important et après vous discutez entre vous, vous parlez avec vos parents, Inch'Allah. C'est sallallahu ala Muhammad wa alihi al-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوات اللهم صل على محمد وعلى آله. C'est bien de se rappeler de nos décédés, la moite, inshallah, pour eux et pour tous les moites, les décédés de musulmans. المؤمنين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. نشكر الشيخ على الحضرات القيمة إن شاء الله تبقى ذكرى لنا طول الوقت وإن شاء الله لقاءات أخرى تكون معك إن شاء الله في وقت آخر وإن شاء الله في ميزان حسناتك. الله يبارك فيكم. نشكركم كثيرا على تنظيم هذا البرنامج القيم للشباب والله يعجبكم يكتب في صحيفة أعمالكم ونفع الله بكم الإسلام دائما إن شاء الله.